20h20 et on est parti pour faire les 100 km. C'est parti. Tout à l'heure on était avec les péniches, mais là on commence déjà un peu à s'éloigner de la ville, il n'y a plus grand monde. Donc là je dois être à peu près à 4 km du point de départ. Mais voilà, on continue la route, tranquille. Bon ben là on commence à avancer encore un peu et il commence à faire de plus en plus nuit. Donc voilà, on va continuer à marcher. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et je vous retrouve quand la nuit est tombée. Hop. Donc là, je marche. Je marche, je marche. Il commence à faire nuit noire. Pas encore nuit noire, mais... Il fait quand même assez nu. Il y a un truc qui vient de sauter dans l'eau. Ça m'a fait sursauter, j'ai eu super peur. Mais bon, apparemment, je sais pas, c'est peut-être un petit ragondin. Ou un ragondin ou je sais pas, un canard ou un truc. Enfin, je l'ai pas vu, mais ça a sauté dans l'eau. J'ai cru que c'était... Enfin, vraiment, ça m'a fait sursauter, mais voilà. Donc là, il fait nuit. Et je m'enfonce de plus en plus sur le sentier. Et je sortirai la lampe frontale quand je serai un peu plus éloigné de la ville. Voilà, j'ai pas envie de me faire trop repérer. Mais quand je serai dans la campagne, je sortirai la frontale. Et voilà, ça fait maintenant 10 km que je marche. Donc je vais faire des petites dédits pour les 10 km. M'en voulez pas, j'ai oublié les feuilles. Donc j'aurai sans doute j'ai sans doute oublié quelques hop, attendez, il y a un petit passage compliqué, ouais. J'ai sans doute oublié quelques pseudos ou quoi, ou des écorchés, m'en voulez pas. Ouais, donc grosse dédicace à Roi Loutre, Caméra Lisins. Ouais, je crois que c'est ça. Quignon de Pain, William Carver, Général Pépito, Chopin, Molzac, et nous 760. Putain, j'en oublie bien, c'est sûr. Ouais, Vraie Droite et GGBG2. Donc voilà, on se retrouve dans 10 km les rails. A plus. Hop, voilà, on est arrivé à Montgiscard, donc c'est la première étape que je devais faire sur l'allée. Donc voilà, un tout petit bled paumé, on continue, hey, c'est parti. Là on a fait 20 km les hey, 20 km. Les rails, c'est la merde. Il pleut de ouf. Il pleut de ouf. Donc, je change de téléphone, on se retrouve après. A tout de suite. Voilà, j'étais en PLS pendant 3 heures dans la grange. Et puis avec le soutien de mes reilles, j'ai eu le courage de continuer. Donc c'est parti.
Là, il y a beaucoup plus de dénivelé, je crois. Il y a 1700 mètres sur le retour de dénivelé positif, négatif. Donc voilà, on va souffrir un peu, mais c'est la règle. Et puis les dédits, j'ai pas. Là, je suis vraiment mentalement, je suis pas trop apte à retenir les pseudos, à les réciter, tout ça. J'y arriverai pas. Donc je pense que sur la vidéo je mettrai les dédits à l'écrit. Et puis voilà. Voilà. Bon, on se retrouve quand il y a quelque chose d'intéressant à dire. J'en profite pour faire une petite vidéo car c'est super joli. Hop, je viens de là. C'est des collines. Et voilà, 60 km fait. Je commence vraiment à être bien en PLS au niveau des jambes. Là, ça commence à être super difficile. Mais bon, on tient. Ouais, j'ai plus d'eau, donc va falloir que je trouve un moyen de me trouver de l'eau. Et puis voilà. Est-ce que ça serait possible de remplir mes bouteilles? Oui. Ça ne me dérange pas. C'est gentil. Merci beaucoup. Travailler ici? Oui. Et vous faites quoi, vous? Quand est-ce que... Je marchais, en fait je me suis lancé le défi de faire 100 km en une journée. Ouais. Donc je marchais. D'accord. Et d'où à où? J'ai fait Toulouse le long du canal du Midi. Et puis là je reviens. D'accord. Là je suis à 65 km. D'accord. C'est très gentil à vous. Ouais, pas de soucis. Bon courage. Ouais, merci et puis bonne journée. Merci. Au revoir. Bon, ben voilà, les rails, on est au 80e kilomètre passé. Je suis en souffrance là. Donc, pour les dédits, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos parce que j'étais trop. Enfin, je me suis évanoui dans un fossé et tout. J'étais trop. J'étais pas bien avant, donc j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas eu le... C'était pas ma première préoccupation de faire les dédits. Mais du coup je mettrai les dédits des kilomètres sur cette vidéo. Voilà, et il me reste quelques dizaines de kilomètres encore. On va essayer de le faire. A tout de suite. Et voilà les rails, une autre petite vidéo rapide. Pour vous dire que j'ai fait les 85 km, il me reste 15 km le long du canal. Voilà. Et puis franchement ça va. Je souffre énormément. Mais j'ai super envie de terminer. 90e kilomètre. Je continue à marcher mais là j'en peux vraiment plus. Hein. Fait que BG en PLS. Bon on se retrouve si jamais j'arrive à atteindre les 100. Et voilà les rails. 100 km. Ouais, donc là je suis en PLS sur le chemin. Et voilà, les 100 km sont faits. En un peu plus. En 1 jour et 2 heures.
Bon, je devais le faire en un jour, mais j'ai eu des problèmes avec les intempéries, tout ça. Ouais, désolé si je plane un peu, mais là je suis vidé. J'ai mes jambes qui. Ouais, je sais pas quoi dire là, j'ai aucune idée de quoi dire, je suis complètement lessivé, en tout cas, je voulais vous remercier, voilà. Vous remercier pour le soutien de tous les rails sur le topic. Puis aussi, merci aux rails du forum muscu et nutrition pour m'aider à la préparation et tout. Ouais, grosse idée à tout le monde. C'était grave cool comme aventure. Et franchement, un jour, peut-être que je le referai avec d'autres rails, ça pourrait être cool. Voilà. C'est là qu'on se quitte. Et moi, je vous dis bisous.